Chaque pilote a une histoire à raconter. Sur sa première épreuve, sur sa première voiture de course, sur ses victoires, ses défaites et son parcours. Tout commence ici pour les apprentis pilotes rêvant d'écrire leur propre histoire. Pour une poignée d'entre eux seulement, les plus persévérants, passer la ligne d'arrivée sera l'opportunité de devenir une légende de la course. Bienvenue dans Forza Motorsport. Je suis là pour vous aider à entrer au panthéon des pilotes. C'est là que commence votre parcours. Et je peux vous dire que ça va être difficile de finir au sommet. Vous aurez de nombreux choix à faire. Et voici le premier. Qui êtes-vous ? C'est le moment de choisir votre premier équipement de pilote. Vous en gagnerez d'autres au fil des courses. Ici, vous pouvez choisir de démarrer votre campagne pour remporter la coupe Pilote Forza, de vous lancer en multijoueur pour affronter les joueurs du monde entier, ou d'explorer le monde à votre propre rythme. La coupe Pilote Forza. Le championnat automobile le plus important et le plus hétéroclite au monde. Depuis des décennies, elle attire les plus grands pilotes. Vitesse, polyvalence et réactivité seront de mise pour l'emporter. Seuls quelques privilégiés atteindront les sommets de cette coupe, s'étendant sur 5 continents et empruntant les plus célèbres circuits de la planète. Et seul le vainqueur entrera au panthéon du sport automobile. Mais commencez par vous glisser dans la peau des anciens vainqueurs pour découvrir comment remporter la plus grande récompense automobile. La vitesse. L'essence même de la course. La vitesse ne se limite pas à des merveilles d'ingénierie et de conception. Il s'agit de pilotes s'évertuant à dépasser les limites. Le tenant du titre, Michael Müller, fait partie de ces pilotes. Réputé pour débarquer sur les circuits à bord de voitures toujours plus innovantes, il a fait tourner toutes les têtes lors de la course sur invitation de Dubaï, au volant d'une voiture dont tout le monde ignorait l'existence. Yeah.
La polyvalence permet de maîtriser n'importe quel véhicule. Elle est donc cruciale, car pour remporter la coupe, peu importe votre pointe de vitesse, vous devrez vous imposer au volant de plusieurs voitures. Au Mugello, Maria Rossi a pris la tête du championnat pour finalement remporter la coupe pilote Forza grâce à sa capacité à s'imposer au volant d'un véhicule aussi atypique qu'un camion de course. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour gagner. Vitesse, polyvalence et réactivité. À vous de jouer. Vous allez participer à la plus grande compétition automobile. La Coupe Pilote Forza est réservée aux meilleurs. La tâche sera ardue. Mais quand vous soulèverez le trophée, le monde entier saura que vous êtes le plus grand pilote au monde. Bienvenue dans le championnat découverte. Il se compose de plusieurs championnats, comptant eux-mêmes plus de 50 divisions et différents types de véhicules. Il est donc temps de faire un choix. Par quoi allez-vous commencer? Pour faire la course, il va vous falloir une voiture. Je vous offre la première, alors choisissez celle que vous voulez. Ces voitures sont la preuve qu'il ne faut pas juger un véhicule à sa taille. Conçues pour être performantes et maniables, ces compacts sont idéales pour les petits circuits routiers. De nouvelles créations sont disponibles pour personnaliser votre voiture. Avant la course, vous pouvez faire quelques choix de dernière minute. Vous avez la possibilité de changer d'équipement, de régler votre voiture et bien plus. Ça ne fait jamais de mal de tout revérifier avant de se lancer. Bien, dans un souci d'équité, cette course est homologuée. Chaque voiture sur la piste répond donc à la même réglementation. Ainsi, la course sera à la fois serrée et équitable. Ok, tout est prêt ? Commencez quand vous voulez.
comme ça qu'on fait la course. Bon boulot. Quel que soit votre résultat dans une course, le règlement de la coupe stipule que vous remportez des points de championnat. Mieux vous vous classez, plus vous gagnez de points. We'll be right back.